Les vœux à la presse de Jean-Claude Gaudin étaient forcément marqués par le drame de la rue d'Aubagne et ses 8 morts le 5 novembre dernier. Face aux critiques, le maire de Marseille réaffirme qu'il ira au bout de son mandat et défend son action. Bien entendu que rien ne s'éloigne de ma pensée, ces 8 morts que nous avons ensuite accompagnés dans leur pays ou sur le territoire national, de l'effondrement de cet immeuble de la rue d'Aubagne. Bon, la justice dira s'il y a des responsabilités ou pas. Nous, ce que je sais, c'est qu'immédiatement, tout le personnel municipal, la métropole, l'État, nous nous sommes tous mobilisés pour apporter évidemment aide et assistance aux personnes que nous avions évacuées, puisque vous savez que c'était 1900 personnes, qu'à ce jour, nous avons à peu près 80 immeubles où on peut réintégrer des locataires ou des propriétaires, et que nous faisons cela, et que le ministre de Normandie est ici ce matin à Marseille, puisque nous comptons les logements les uns après les autres. Nous en avons des logements. Les bailleurs sociaux ont été exemplaires, sauf qu'en même temps, les gens ne veulent pas aller très loin en dehors du centre-ville. Ce matin, nous prenons 25 appartements à la rue de la République.